nous allons présenter une excellente petite plante aussi. C'est une plante grimpante en fait, hein, qui est assez volubile. Il s'agit de Passiflora foetida. Comme vous pouvez l'entendre, hein, foetida voulant dire qu'il y a une forte odeur que l'on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer. Alors, en anglais, la plante est appelée Wild Water Lemon. Hein, et en français, c'est le fruit de la passion puant. C'est la plante de la passion puante. Alors, donc, Passiflora foetida est une plante qu'on va retrouver un peu partout dans la zone intertropicale. Hein. On l'a signalé pour la première fois en Amérique. On trouve dans le sud des États-Unis. On trouve également au Vietnam, aux Philippines, etc. etc. Donc, c'est ça que nous allons décrire maintenant. Nous avons dit que c'est une plante grimpante qui se remarque aussi tout de suite à cause de son abondante pubescence, hein, qui est pubescente sur les tiges, tout bord. Ici, on a une colonie. Hein. Alors, au début, les pieds sont plus ou moins dressés, comme vous pouvez voir ici. C'est toute une colonie qui est là. Mais dès que ça trouve un support, ça va se fixer sur le support à l'air de vrille. Hein. Là, hein, ces jeunes pousses hein, qui sont sous forme de fils qui vont servir à attacher, comme sur la vigne, hein, qui vont servir à attacher la plante hein, à son support. Vous voyez que ça pousse là, à, disons, à la partie basse de la feuille, du limbe de la feuille ici. Hein, ça pousse là, là aussi. Ça pousse là, les vrilles, justement là où s'attachent les pétioles. Et donc, ce sont ces petits fils qui vont servir à attacher la plante sur son support. Alors, donc, la tige, on la voit, elle est verdâtre. C'est une plante herbacée en réalité. Et donc, les feuilles sont trilobées. On peut voir aussi très bien sur cette feuille, trilobée, avec une abondante pubescence, aussi bien sur le pétiole que sur le limbe même. En partie supérieure et en partie inférieure. Ça semble plus abondant en partie inférieure. Alors, le lobe central est beaucoup plus long. Il fait là, combien? Environ 5 cm et demi, même à peu près, oui, 5 cm et demi. Tandis que les lobes secondaires, là, c'est de l'ordre de 2 cm et demi. Et quand on regarde la largeur de la feuille, elle atteint les 5 cm, donc 2 fois 2, 2,5 cm. Et on peut compter les nervures secondaires, au dos surtout, surtout sur le lobe central, lobe principal, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une quinzaine de nervures secondaires sur le lobe central. Donc cette plante herbacée va pousser dans des endroits, ça peut en tout cas pousser dans des endroits assez argileux, comme on peut le voir ici. Ça, c'est un sol assez argileux. Et souvent, on va le trouver entremêlé avec d'autres plantes, comme c'est le cas derrière ici aussi. C'est intimement entremêlé avec ce pied de Ziziphus, disons, mauriciana. Voilà, la plante, elle est là. Et là, elle va former donc ses fruits après, complètement entremêlés là. Donc, ça va être plus délicat de les cueillir en ce moment. Ici, là, on a 2 cm et demi de longueur de pétiole. On voit avec une abondante pubescence. Hein. Les vrilles qui poussent donc à l'aisselle, mais qui peuvent sortir aussi donc sur le limbe même, à la base ici. On voit que c'est des feuilles qui sont cordées quand même, hein. La base est rentrante, avec un sommet pointu, hein, donc acuminé, et avec le développement donc, on va voir pousser à l'aisselle. On voit aussi que les feuilles sont alternées, hein. Là, c'est, on a une feuille là, une feuille là, une feuille là, elles sont alternées. Et avec le développement, donc, on va voir à l'aisselle des feuilles pousser des boutons de fleurs. Bon, ici, on n'a pas les fleurs pleinement épanouies encore, mais on peut voir un bouton là, qui est entouré d'une sorte de, on va dire, d'espèce de branchage, hein, avec plusieurs ramifications, hein, mais comme des poils. On a une tige centrale, un axe même, hein, un axe sur chacun. On voit un, ici, deux, trois axes. Manifestement, les après-midi, la fleur se recroqueville, elle se ferme en fait. Sinon, en réalité, ce bouton de fleur est assez bien développé. Et quand on tente de l'ouvrir, on voit là, hein,
on voit des éléments de pétales hein, qui sont blanchâtres avec une coloration avec des ouais, une coloration striée de couleur violette plutôt. Et là, au milieu, on voit les organes de reproduction de la plante. Hein. Et donc là, je ne pourrais malheureusement pas les compter, les pétales et les sépales. Là, d'abord, il y a cet enchevêtrement chevelu qui est là, mais on peut voir là, clairement, si je les déroule. Et là, on voit donc les organes de reproduction, bon, avec ce qui semble être les étamines. Hein. Il y en a trois, au milieu donc le pistil. Et donc c'est ça qui va se développer et va être fécondé donc et on obtient après, voilà encore ici c'est fermé, je pense qu'à une certaine heure de la journée, notamment le matin, on va les trouver ouvertes. Alors pour donner ces dimensions comme ça c'est délicat, mais le pédoncule qui porte la fleur, on peut donner cette dimension, hein. C'est quoi? C'est de l'ordre de 1,5 cm, voilà, également ici 1,5 cm, hein. 1,5 cm, 1 cm, ouais, 17 mm quoi. Alors, donc, voilà, quand c'est fécondé, on obtient ce fruit. Hein, voilà un fruit là, une sorte de capsule ovoïde, dont on peut donner les dimensions maintenant. On voit les éléments d'enchevêtrement maintenant avec leur axe, qu'on voit là, comme des arbres en fait. Hein, la tige principale de l'arbre, coloration un peu violet, un peu rougeâtre. Hein, avec les branches secondaires et là le fruit est au milieu de ça. Quand c'est à maturité en fait ça devient une couleur assez jaune et donc cette baie ovoïde, on peut voir sa longueur hein, qui fait sa hauteur du moins, ça fait 2 cm sur un diamètre d'environ 15 mm hein, c'est à dire 1,5 cm et donc voilà, si on essaie aussi d'ouvrir ça, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Voilà, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Hein. On voit des sortes de graines qui se forment là, voilà, qui sont attachées donc à la surface interne de cette baie ovoïde. Et on compte combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 qu'on compte à l'intérieur. Alors, apparemment, dans certains pays, ce fruit se consomme. Hein. En tout cas, dans la littérature, on voit que la feuille elle-même se consomme comme de thé. Par exemple, au Vietnam, aux Philippines, il y a des usages comme ça. Et c'est très aromatique, c'est pour ça qu'on l'appelle plante fétide. Hein. Hein. Passiflora fétida. Fétide, c'est très aromatique. Bon, l'odeur, comme j'ai dit hein, au début, on peut apprécier, on peut ne pas apprécier. Toujours est-il que certains l'utilisent comme thé. Encore une fois, vous voyez le fruit là, hein, avec ces graines qui sont attachées avec ces espèces de pieds sur la surface. Hein, hein, on dirait des créatures extraterrestres. Hein, on voit bien. Voilà, donc dans certaines contrées du monde, ces fruits sont consommés. Et dans beaucoup de contrées, les feuilles, en tout cas toute la partie aérienne, est utilisée par les gens. Nous allons lister, comme d'habitude, hein, les maux que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant toute partie de cette merveilleuse petite plante qu'est Passiflora fétida. Maintenant, nous allons donner quelques noms locaux. Alors, par exemple, en Côte d'Ivoire, hein, en Baoulé, on va appeler cette plante Akololo. Akololo. Tandis que au Bénin, à Nadja, ils vont l'appeler Asiksukukui. Asiksukukui. En fond, ils vont l'appeler Avun Nimitru. Avun Nimitru. Hein? Et au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Maribisab. Maribisab. Les Sérères vont dire Model. Ou bien Mété Akoy. Et les Djola du Sénégal, dans Casamassé, hein, vont appeler ça Kunanagol. Kunanagol. Alors, si on considère le Mina au Bénin, ils vont l'appeler Gbantou Gbantoué. Gbantou Gbantoué. Et en Yoruba, en Nago, on va dire Dagura. Voici donc quelques noms que nous avons pu tirer de la littérature. Mais comme c'est une plante très répandue, les uns et les autres, en regardant l'image, pourront sans doute trouver d'autres noms.
qui serait très utile pour l'identification de cette plante.